Y a quelqu'un qui est sorti de la porte. Hein. J'ai pas fait gaffe à qui, mais il y a quelqu'un qui est sorti de la porte. Ok, c'est un serviteur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bien. Quelle est cette salle? Une salle où je... Il y a un deuxième étage? Il y a un deuxième étage. Secret, le deuxième étage. La chapelle. La chapelle est à l'étage. La chapelle est à l'étage. La salle d'attente. La chapelle est à l'étage. Punaise, je croyais qu'elle était ailleurs, un sous-sol, un truc comme ça. C'est quelle carte que je viens d'avoir? Le 7 de trèfle. Bon. Inventaire. Oh non, progression. Il manque 6 cartes. La chapelle est à l'étage. Stop. On revient sur la carte. Je suis donc ici maintenant. Je viens de là. Il me faut une horloge. L'horloge qui est en bas. Donc on continue en bas. Je connais cette peinture. J'ai pas fait gaffe, il y avait des choses à lire là ou pas? Oui. Des tournesols aux yeux humains, d'accord. Eh mais la plupart ce sont des vraies œuvres en fait, je viens de m'en rendre compte là. Une belette. Voilà, normalement j'ai sauvegardé. Faut que je me fasse vite par contre parce que j'ai encore la clé de la salle des vieilles habitudes avec moi là. Alors, stop, carte, je suis ici. Eh bien, on va monter. Merci pour le dos. Qu'est-ce que c'est ? Une chouette empaillée. La salle de chasse. D'accord. Non, je veux pas aller dans le placard, non. Oh. Fumoir. D'accord. Bah oui, en même temps. Et la salle du coffre-fort, bien entendu. Stop, il reste une salle. Qui est la chapelle en elle-même. Go. Une invitation. T'es, voilà. Les oreilles. Le roi de carreau. Ça pour un roi de carreau?
La prison. Il faut retourner arroser le machin en bas. Bon, il me manque des invitations, hein. Il m'en manque 5. Certaines, je les ai sur les cadavres et les œufs. Enfin, je suis passé sur certains cadavres, mais il n'y avait pas d'invitation, donc je suis un peu paumé à ce niveau-là. Il me manque le roi de pique. Sous-sol, tout est bon. Ça me dit d'aller. Ça me dit. C'est en train de me dire qu'il faut que je retourne à la prison. La salle des préparatifs, la salle des vieilles habitudes, la chambre du roi. Ça ne m'aide pas pour la personne derrière. Enfin, là, ici, là. Et je récupère quand même ça. Ou alors, faut que je refasse le. C'est l'idée, c'est de refaire le premier chapitre et de le sauver. Re-sauver Reggie. Je pense que c'est ça. Parce que là, il n'y a rien d'autre. Là, il n'y a rien d'autre. De journée. Allez. J'ai récupéré une invitation. La prochaine. Mais l'invitation de qui du coup? De Grayson. Faut utiliser le certain pouvoir pour récupérer des invitations. Punaise, il va falloir être rapide. Très rapide. La balle est tombée, on l'a entendu. Ok, c'est parti. On prend la balle. On court. Trop tard. Punaise, trop tard. Non, pas trop tard.
C'était juste ça? Fallait juste que je refasse le premier. J'ai juste refait le premier chapitre, mais à la fin, quoi. C'était juste ça. Il y a quelque chose ici, la chapelle renferme plus de secrets que je le pensais. Plus que notre première visite, ne pouvait le laisser présager. Trouvez les endroits où vos pouvoirs sauront vous être utiles. Regardez au-delà des apparences pour découvrir les vérités cachées. Oui, alors madame, par contre, je viens de fouiller le manoir de fond en comble. Me manque 50, 51, 52. Il me manque 3 cartes. Il me manque 3 cartes, dont le roi de... je sais plus lequel, du coup. Il me manque des invitations. 4. Ça me pousse à aller chercher le 100%, en fait, ce jeu. Il me pousse par rapport à ça. Mais le personnage avec le masque goldé nous a dit, oh, viens à la chapelle, on va te montrer des choses. J'y suis allé, il n'y était pas. Je suis paumé. Je suis paumé, paumé. Est-ce qu'il faut que je retourne là? Mais du coup, ça m'a pas aidé. Il y a l'histoire de la prison avec l'arbre. Normalement, j'ai découvert toutes les maps, toutes les pièces. Et là, elle me dit juste, va fouiller avec ton pouvoir, quoi. Attendre. Maintenant. Absolument pas si c'est utile ou pas. J'en sais fichtrement rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et elles me réunissent de force la journée. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose dans cette fichue chapelle.
évidemment. Évidemment. Bien vu, Boone. Venez donc me rejoindre. Ah là là. Passage secret, quoi. Il y a un coup de feu, non? Faut encore monter, on monte encore plus haut. Que ça. Je ne peux pas vous contrôler. Je ne peux pas vous faire entrer dans mon monde, pas réellement. Mais peut-être qu'une fois que vous aurez vu, vous déciderez par vous-même si oui ou non ce monde est le bon pour nous. Oh punaise. Voici Lucas Bond, le marquis du sexy brutal. Mais du coup, si c'est lui, mais qui c'est le Goldé alors? Je nous ai amenés ici pour juger cet homme. Ou plutôt pour le condamner. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Vous ne comprenez pas pitié. C'est un homme bon. Nous verrons. Regardez attentivement. Il reste du temps. Beaucoup de temps. Ce sont les calculs de Sixpence après tout. Les explosifs sont tous armés. Tout va sauter en même temps au 12e coup de minuit. Putain, c'est lui qui a foutu le feu. Une douzaine de convives en sécurité à ce moment-là, à l'extérieur à ce moment-là. Une douzaine de témoins pour me dégager de toute responsabilité. C'est risqué. Mais l'assurance, c'est une nouvelle vie pour Eleanor et moi. Quelque chose d'un peu moins extravagant cette fois. Il s'est planté. Punaise, il s'est planté. Il voulait pas les tuer. Oui, et donc il revient. Qu'est-ce qu'il porte? Je vois pas ce qu'il porte. Oh punaise. Sixpence était complice. Mais t'es qui, Goldé? T'es qui? Mais ce qui est bien, le plus proche du bien que nous méritons. Si par contre, je dois avoir un choix entre une bonne et une mauvaise fin. Je peux pas bouger, je crois pas. Non. Mon beau manoir. Tu me manqueras profondément. Mais tu ôtais aussi un pari, et pas un pari qui a payé. Cette maison ne gagne pas toujours et tu es un luxe que je ne peux plus me permettre. C'est le moment d'encaisser le chèque. Qu'est-ce que c'était? Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a déclenché à sa place. Quelqu'un a foutu. Le compte à rebours. À la base, il voulait tuer personne. Il a survécu à la chute. Non sans quelques ecchymoses et fêlures. Mais il a survécu.
Et voilà la réponse. Cet homme a mis le feu à son propre manoir dans le seul but de toucher l'argent et l'assurance. De l'assurance. Toutes les personnes qui étaient dans le manoir, ce ne sont pas des araignées géantes, des poissons démoniaques ou des cages piégées qui les ont tuées. Elles sont mortes dans l'incendie déclenché par cet homme. Ça, je m'en étais douté. J'ai fait tourner ce manoir, j'ai embelli les morts, j'ai ajouté un peu de style, mais voici le véritable responsable de toutes les morts de ce manoir. Qu'est-ce qu'il entend par « j'ai fait tourner ce manoir » ? Ce n'est pas tout. Vous ne savez, c'est plus que suffisant. Nous attendrons, Boone. Si vous voulez résoudre tout cela, si vous tenez à sauver cet homme, alors allez-y, je ne vous y en empêcherai pas. Mais je ne sais pas qui es-tu, masque goldé. La tour. Bonjour. Il a fait ça, Boone. Il les a brûlés jusqu'au dernier. Comment a-t-il pu l'oublier? Ne serait-ce qu'une seconde, comment ose-t-elle? Elle ne... Votre montre à gousset, horloge, ok. Je peux rien faire. Carte. Oui, ok, je comprends la carte. Donc je suis censé pouvoir passer à la salle dans la salle d'avant. C'est ça? Mais je fais quoi, moi, du coup, pendant ce temps? Je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. Pas beaucoup de temps. Un violon. On dirait. Ah. Et je peux pas aller ici, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et non. Et j'espère que ça va me donner le choix quand même. Casino déficitaire. D'accord. Qu'est-ce que c'était ça? Est-ce que ça suffira? Ça a quand même pété. J'ai un pouvoir là-dessus ou pas? Non, quand j'arrive là, le temps s'arrête. J'aurais pu m'en rendre compte avant de ça quand même.
qu'ils sont tous pétés les autres. Parce que moi l'idée c'est de sauver tout le monde. Et là je peux plus rien faire. PNJ a bougé. C'est reparti pour un tour alors. Ok. Non, je veux pas me cacher dans le placard. Non. Sors de là. Ok, il y a ça, il y a un truc par terre, je récupère. Des pinces coupantes, d'accord. La maquette. Je voulais vérifier le reste. Je voulais visiter, mais je pouvais pas. Attendez, ce fil est coupé. Qui ? Attendez, ça ne va pas. Compte à rebours. J'ai fait une erreur. Ça aurait explosé trop tôt, mon dieu. Boone ? Oui, et donc ? Eh bé, qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas bouger. Je crois que nous pouvons renoncer à faire... Attends. Je crois que nous pouvons renoncer à vous faire pourchasser par les masques. Boone, ces enfantillages sont inutiles. C'est lui qui faisait ça? Lafcadio, que faites-vous ici? S'il vous plaît, vous devez partir. Je peux l'expliquer, ou plutôt, je ne crois pas avoir à le faire, oui, en même temps. Je suis désolé, mon vieil ami, j'aurais dû le dire, mais vous préférez agir dans les règles, n'est-ce pas? Je vais brûler cet endroit. Vous savez que j'adore ce lieu, il est tout pour moi, mais je l'aime, elle, plus encore. Nous allons avoir un enfant, vous savez. Et ce manoir, Sekou, c'est un puits sans fond. Je ne suis plus le joueur jeune et insouciant que j'étais, Laf, je pensais que vous seriez fier. J'ai enfermé ces démons pour de bon finir la chasse au gain. Malgré tout, je dois admettre que j'ai trouvé ce plan excitant. J'ai tout calculé pour que l'explosion intervienne une fois tout le monde à l'abri à l'extérieur. Le manoir brûlera entièrement, les cheminées sont toutes reliées, vous comprenez. J'ai demandé au personnel de mettre ces appareils dans chacune d'elles. Et personne ne sera blessé. Mais à ma grande surprise, ce fil était coupé. Et je viens de remarquer une erreur des plus abominables. Je crois que s'il n'avait pas été coupé, tout aurait sauté au moins 2 heures trop tôt. Je n'ose pas imaginer ce qu'il se serait passé. Vous voyez, il ne l'a jamais voulu ainsi. Il n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. Par pitié, mettez fin à cette torture. Eleanor, est-ce vous ? Non, il ne l'a pas fait exprès, mais il l'a fait. Et ils sont tous morts. Il les a tués, Boone. Il a tué tous ceux qui lui étaient chers, ses amis, sa propre femme, son enfant encore dans le ventre. Nous ne méritons pas d'être pardonnés. Il ne mérite pas d'être oublié. Vous ne voyez donc pas, Boone ? C'est ainsi que je les ai gardés vivants. Mais t'es qui, masque goldé ? Cette fête, ce jour. Je maintiens cette agonie en vie. Je vois leur visage, je me souviens d'eux. Ok, c'est lui, quoi. Elle nous aurait demandé de nous pardonner. Elle nous aurait laissé partir. Elle vous aurait fait vivre. Mais je ne suis pas prêt, je ne le serai jamais. S'il vous plaît, Boone. Tu veux pas lui enlever le masque, plutôt? Tout ce que vous voyez dans ce manoir, ce sont les souvenirs d'un homme brisé. Revivre le cauchemar de la nuit où il a assassiné tous les êtres qui lui sont chers par un acte horrible qu'il souhaitait pouvoir rattraper à chaque seconde de sa vie. Il n'y a qu'un homme qui soit responsable de tout ce qui se passe dans ce manoir. Oui, enlève son masque, oui. Lucas. Et Lucas. Et moi. Quoi? Attends, quoi?
C'était quoi le nom complet de Lucas? C'est un anagramme? Regardez comme vous avez vieilli, mon amour. L'heure est venue. Nous devons aller le voir. C'est un anagramme. C'est pas possible. Je regarde la boîte du jeu après. Ah, je reviens ici. Il manque deux serviteurs là. Pardon. Ça fait plus de 40 ans. Vous vous êtes puni pendant trop longtemps. Vous avez failli mourir en tombant. Alors c'est comme si vous étiez resté vivant, juste pour vous infliger des souffrances. Vous avez été hospitalisé à deux doigts de la mort. Vous êtes allé en prison. Mais ça n'a pas suffi. Vous avez souffert et vous avez pensé à nous chaque jour. Nous ne sommes pas là pour vous pardonner, Lucas, jamais. Nous ne sommes plus et ne pouvons prononcer ces mots. Impossible de savoir si nous les prononcerions réellement. Mais malgré toute la haine que vous avez pour vous-même, vous avez toujours su une chose. Au fond de votre cœur, vous savez que je n'aurais jamais voulu vous voir souffrir indéfiniment. Un jour, il faudra que ça cesse. Ce jour est peut-être arrivé, Lucas, si vous le voulez. Si vous êtes prêt. Vous n'êtes pas obligé d'oublier. Il vous suffit de vous pardonner vous-même juste assez pour vivre. Sa simple apparence m'est très pénible à contempler. Tout comme ma propre apparence à vos yeux. Il règne en maître sur ce manoir. Il représente peut-être la meilleure illustration de votre âme, mon amour. Fragilisé, épuisé, seul, mais d'une puissance sans pareille. Investi d'une fureur, d'une douleur et d'un chagrin tel qu'il pourrait démolir et reconstruire ce manoir des centaines de milliers de fois. Piégé ici à voir ses amis se faire massacrer encore et encore à travers ses miroirs. Il règne en maître sur ce manoir. Mais comme un roi fantoche. L'heure est venue de le libérer de son tourment. Prenez votre masque. Il vous rendra tout ce que vous avez perdu. Après tout. Après, laissez-nous partir. Laissez-nous tous partir. Ça ne veut pas dire que vous oubliez. Je vous aime. Il reste encore une option. Partez. Utilisez la montre. Faites remonter le temps que la fête recommence. Nous serons tous là. Vos amis seront là. Votre manoir, vos souvenirs. Vous n'êtes pas obligé de les abandonner. C'est à vous de choisir. Punaise, il y a un choix à faire. J'ai pas toutes les cartes, il manque les secrets. Est-ce que j'aurai accès à cette salle? Il y a des miroirs qui viennent d'apparaître. J'aimerais poursuivre en fait. Cet endroit est à vous, Lucas. Il est horrible. Brisé, tordu. Vous n'avez pas à être un prisonnier ici. Je vous ai aimé. Je vous ai tant aimé. Et vous m'avez aimé. Je sais que vous êtes désolé. Je sais que ça ne suffit pas. Mais c'est fait. Oubliez un peu la douleur. Vivez votre vie. Au revoir. Salle de chasse? Pourquoi la salle de chasse?
revoir, mon amour. Quoi que je sois, je serai toujours là. Rends-moi visite si le cœur vous en dit. Rendez-moi visite si le cœur vous en dit. Mais ne vous attardez pas. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs, de voir le reste de votre vie. Il est temps de passer à autre chose, vieil homme. Bon, j'aurais bien voulu voir tous les secrets, vu qu'au final il n'y a eu aucun secret découvert réellement. Peut-être qu'on y aura accès après. C'était The Sexy Brutal, je m'attendais absolument pas à cette fin là. Alors bien sûr je m'attendais à ce que Monsieur Masque Goldé soit Lucas, mais que je sois moi-même Lucas, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça me choque. Et au final, peut-être que j'aurais dû m'en douter par un anagramme, mais il faudrait revoir Luc. Attends, c'est comment ? Lucadio, machin, chose, Boone. Et après, ouais, faut retrouver l'anagramme, quoi. Je pense qu'il y a un anagramme. On va voir sur la boîte du jeu, de toute façon, c'est les génériques. Alors. Ah oh, génial, c'est en anglais. Tac. On va voir. Lafcadio Boone. Et non, il n'y a pas de U, c'est pas un anagramme du coup. C'est pas un anagramme du tout, vu qu'il n'y a pas de U. Ah là là. Oui, j'ai juste les présentations des personnages dans le petit livret avec la boîte. Ouais. Hop là. Après, il y a toute l'histoire. Comment est-ce qu'il... Ou alors, c'est vraiment... Il revit juste lui dans ses souvenirs, ces choses-là. Il se refait souffrir lui. Et au final, il n'y a aucun voyage temporel. Et vu ce qu'on voit dans le sous-sol, c'est très très dans l'imagination, quand même dans l'imaginaire, très très tiré par les cheveux aussi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à remettre en cause la réalité. C'était assez bizarre, hein. Mais il était super chouette. Vraiment, le jeu est super intéressant, super chouette. L'histoire est bien ficelée, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai pas mal traîné, mais c'était volontaire. La seule chose qui m'aura dérangé, c'est les temps de chargement, les lags et le manque d'optimisation sur la console, quoi. Mais vraiment. Donc voilà. On va juste avant de partir. Est-ce que je peux reprendre cette partie-là? Je veux voir si j'ai accès au menu pour voir s'il y a des secrets, des choses à relire. Ça m'étonnerait. Mais on va voir. Chapelle. Donc je reprends ici, d'accord. Je reprends juste avant de traverser la chapelle. Hein. Carte. Donc il y a moyen de... Ok. Ah, il y a des choses, il y a bien des choses ici. Ok. Les convives. Tac, casino, bar. Chapelle. Secret. Oh, il y a tous les secrets. Ils y sont tous. Purée, tous les secrets sont là. D'accord. La chambre du roi en rouge. Il existe une pièce d'horreur pure dans les entrailles torturées et sombres du manoir. Ah ben oui, c'est la cuve. Et oui, bien sûr.
Le havre secret, c'est le jardin. La salle des vieilles habitudes, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez retrouvé, vous avez osé m'enfermer. Vous m'avez manqué, vieille branche, je vais vous étriper. On s'est payé du bon temps, vous et moi, vous m'appartenez, le bon. C'est quoi ça, la salle des vieilles habitudes? Distribuer les cartes. C'est derrière la chapelle? La salle des vieilles habitudes. Le sexy brutal, bah c'est le manoir, hein. La chapelle. Le marquis n'était pas un homme pieux, du moins pas durant les jeunes années. En revanche, sa femme l'était. Et quoi, oui, bon, à coup, il a fait construire la chapelle pour sa femme. La salle des préparatifs. Ça doit être le bureau là-haut, ça. Ouais, la maquette. La tour de l'horloge, bon, ben voilà. L'Afkadioboun, le maître, le prêcheur-pêcheur. Là, sa rencontre. Attends, s'il a... Je comprends plus rien là. Salut Napta. On est sur la toute toute fin. Hein. J'ai traîné, traîné, traîné depuis la fin d'après-midi. Je voulais le terminer. C'est quasiment le cas. Les crédits sont passés, donc on peut considérer le jeu comme terminé. Là, je lis juste les secrets qui ont été débloqués maintenant. Mais du coup, l'Afcadio, c'est pas Lucas. Mais je comprends plus rien. Le jeu vient de nous dire que l'Afcadio, c'est Lucas. Lucas Bond, le marquis. Il y a du texte en plus que je ne peux pas lire. Ah, bravo le jeu. Ah non, j'ai rien dit, il fallait scroll. Je peux faut scroll avec le joystick 2. Ok. Mais le jeu vient de nous dire que l'Afcadio et Lucas sont les mêmes personnes. Pourquoi là, dans les secrets, ça nous dit que ce n'est plus les mêmes personnes? Je comprends plus rien à ce qui se passe. Bon, Eleanor, on a compris qui c'était. Hein. Bloody Girl, on sait qui c'est. Deutéronome Bound, le crâne d'or. Et donc là, c'est bien écrit que c'est lui, c'est Lucas. Ça, c'est écrit, c'est clair. Mais du coup, là, c'est intrigant, très intrigant. Bon, tous les secrets sont là. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui manque maintenant? Jardin. Il manque les invitations, hein, bien sûr. Le théâtre, c'est bon. Salle de musique. Chambre d'amis. Il me manque le roi de pique. Et il me manque encore le roi de pique. Plus les invitations, bien sûr. Il me manque 4 invitations que je n'ai pas. Sinon, c'est pas drôle. Bon, on va aérer un peu. Le jeu est terminé, mais on va aérer un peu quand même. Tac. Je viens de voir l'heure de la vie réelle. Ça pique. Hop. Allez, ça fait. Par contre, le jeu, s'il te plaît, je veux explorer, je veux pas me retaper toute la scène. Ah, oh, fais chier, pardon. Je voulais juste explorer, avoir la carte, quoi. Eh bien, personnage. Est-ce que j'ai un contrôle ou pas? Non, j'ai aucun contrôle. J'ai aucun contrôle. Punaise.
Je vais devoir tout me retaper. Sauf si la montre à gousset m'autorise de recommencer la journée, ce qui m'étonnerait. Bon, est-ce qu'il y a une carte par terre, quelque chose? Non. On passe les dialogues, on les a déjà vus, hein. Voilà. Tac, 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 tac. Oh, mais la cinématique, on l'a déjà vue. Faites-moi passer tout ça, là. Je veux tout passer. Bon, j'ai accès à la carte, c'est déjà pas mal. Mais du coup, ça, je n'y ai accès que pendant cette cinématique-là. Ça m'embête. Donc, ça veut dire que la carte qu'il me manque du roi de pique, bah, je sais pas où elle est. Sachant qu'il y a un truc à faire ici que j'ai jamais fait, que je ne sais pas ce qu'il faut faire. L'arbre, je pense pas le faire grandir plus que ça. Il me manque une carte. J'ai bien raté une carte quelque part dans le jeu. Et ouais. Ouais. Bon. On va essayer de passer ça. J'essaie d'observer la scène, j'ai pas l'impression qu'il y ait une carte quelque part. Oui, il revient, on a compris. Après, il y a eu un choix à faire à un moment donné. Peut-être que si je fais le choix contraire. Il y a toujours une clé que j'ai pas utilisée, que je pourrais aller récupérer. C'est long, hein. Je suis en train de spammer le bouton, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis obligé de subir les dialogues, là. Qu'on vient de voir, déjà. Je ne t'écoute pas trop, j'ai du boulot, mais je reste là un petit moment. Bah, je suis sur la fin, comme je disais tout à l'heure, j'essaie juste de voir ce que j'ai raté. Mais je vais pas tarder à arrêter parce que faut que je mange à un moment donné quand même. Je suis là depuis 14h45. Bon, j'ai fait une pause, mais quand même. Je pensais pas traîner autant aujourd'hui, mais je voulais finir le jeu aujourd'hui, donc. Sinon, on se retrouvera... on se retrouvera demain 14h pour du Mysterium mais en solo histoire de faire le mode histoire. Ça va pas durer longtemps. Demain soir à 21h du code de la route. Vendredi 14h, bah, ça sera plus chill parce que je vais faire du puzzle, du vrai puzzle de la vie réelle. Et samedi midi, à part pour toute la journée, super Monkey Ball Banania Mania. Non, Banania Blitz, pardon. La version remastered.
Ah oui, c'est à moi de jouer là. Qu'il y a des choses à faire ici. Punaise, mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'il est déjà là, quoi. Je peux rien faire encore une fois. Nickel. Ah oh, c'est ça, on s'en fiche. Allez, on se casse. Impossible de faire machine arrière, purée. Rien du tout ici. Il n'y avait pas de pince, il n'y avait enfin, pas de carte, ni rien. Oh là là.
On passe, hein. Oui. On va voir ce que ça change. Peut-être que ça peut changer quelque chose, peut-être pas. Est-ce que je vais pouvoir me balader tranquillement dans le manoir sans que je me fasse agresser? Bien, alors on reprend ici. Carte. On va direct au sous-sol, puis après dans les jardins. Donc le sous-sol, le bar. Allez, le chargement, ça faisait longtemps. Mais je me fais encore agresser par les masques, par contre. Ça, je trouve pas ça normal. Vraiment pas ça normal. Le lag. Ah, j'aurais pu prendre les miroirs, ça aurait été plus rapide. J'y ai accès. Punaise, j'y ai accès. Pas de carte, on est d'accord, il n'y a pas de carte, il n'y a aucun cercle. Si j'y ai accès et que ça me fait revenir au truc d'avant, faut que j'aille au jardin d'abord. J'aurais dû aller au jardin en premier. J'ai mal réfléchi. Bon, c'est quoi le plus proche du jardin? C'est pas le théâtre. Casino, bibliothèque, sous-sol. Casino. Et moi je viens du sous-sol. Donc faut que j'aille. Ok. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Il faut que j'aille là. Ici.
Je me suis planté. Je suis à la bibliothèque. Bon, c'est pas grave. J'essaie de se jeter si j'ai pas la carte manquante quelque part, mais je la vois pas. Comment ça, elle verrouille la porte? Oh punaise, mais oui. Bon. Ce sera plus simple. Il y a déjà du monde là, donc ce qu'on va faire, c'est on avance le temps à 16h. Bien un truc est tombé hein. Mais c'est le marquis. Ce qui vient de tomber en fait, ce n'est rien d'autre que le marquis. Là, y a rien du coup, y a rien du tout. Punaise. Il y a une salle de miroir à côté là. Peut-être. Ou peut-être pas. En vrai, peut-être pas. J'ai un doute sur une chose, attendez. J'aurais dû me douter de ça en fait dès le départ. Zut. Bon ben on va passer par là. Par le bar. Ouais. En vrai, c'est peut-être le mieux le bar. C'est pas par là le bar, c'est pas par là, la porte est bloquée, faut que je m'y souvienne, faut que je m'en souvienne, faut que je m'en souvienne.
toujours au même endroit, les lags, quand les pièces sont chargées. Enfin, je vois quelqu'un traverser comme ça sur la passerelle. Bon. Bah, elle est pas fermée la statue, elle est ouverte, qu'est-ce qu'il raconte? Elle est complètement ouverte. On va aller voir l'arbre. L'arbre qui est devenu Rikiki de nouveau. Bon. Eh bien, on va revenir à l'accueil. Hein. Ok, soit, eh bien, on s'arrête là. De toute façon, on a terminé le jeu. Il manque juste un truc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, et trois cartes, il me manque trois cartes. Donc, je ne sais pas. Et les invitations. Mais en vrai, le reste, tout est bon. Du coup, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi cette aventure en entier. Finalement, on a quand même terminé le jeu, même si c'est pas le 100%, le jeu est quand même terminé et on est bien avancé au-delà même de ce que j'imaginais. Beaucoup de lag sur le jeu, ça, j'ai dû perdre pas mal de temps en heure de jeu dessus. Mais il était super sympa à jouer, très énormément dans la réflexion, dans l'énigme, dans les mystères. C'était très 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 agréable. Du coup, je le recommande, mais pas sur la Switch. Je pense que sur ordinateur, sur PC, il est beaucoup plus optimisé. Mais vraiment, je recommande énormément ce jeu. Petit jeu indépendant. Donc The Sexy Brutal sorti en 2017. Côté stream ici, je vous retrouve demain à 14h sur Mysterium en solo. Puis 21h Code de la Route. Vendredi du puzzle. Samedi Monkey Ball. Et après, on verra. Suivez Iva Sound Studio, la petite asso sur tous les réseaux. Vous connaissez la chanson. Rejoignez-nous sur Discord, abonnez-vous sur Twitch. Et participez au crowdfunding qui est en cours, il reste quelques jours seulement, on compte sur vous, c'est important, parlez-en autour de vous, c'est comme ça que ça fonctionnera, parlez-en autour de vous. Voilà, passez une agréable soirée, passez une agréable nuit, je vous retrouve demain, cordialement, bisous. Rebonjour tout le monde, alors, là c'est que pour la VOD YouTube, je ne suis pas du tout en direct sur Twitch, alors on est précisément un peu plus de 2h30 après la coupure du stream sur The Sexy Brutal. J'ai pris un peu le temps de manger entre temps et je suis un peu têtu parce que j'étais à ça du 100%, vraiment à ça du 100%. J'ai voulu vraiment persévérer pour aller chercher ce 100% et ça y est, c'est fait. Je vous montre la progression. Voilà, on voit bien qu'il y a les 9 invitations. Il y a les 52 cartes, je suis allé les chercher. Il me manquait 4 invitations, si je ne me trompe pas, et il me manquait 3 cartes. Les invitations, en vrai, c'est quand même assez intuitif. Faut juste creuser, réfléchir un peu mieux. C'est vraiment assez intuitif, c'est pas si compliqué. Les 3 cartes, et pour revenir sur les invitations, c'est voilà, des fois, il y a juste même à attendre que le cadavre vous tombe sur les pieds. Ça peut vous donner un indice.
Concernant les trois cartes, si je vous montre ça, c'est pas innocent. Regardez bien où je suis sur la carte. Voilà. Il y avait une carte dans la cheminée ici, tout simplement. J'y ai jamais fait gaffe. Je suis passé devant, peut-être, ou je suis peut-être même jamais passé dans ce couloir, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu frustrant. Hop là, on va tracer. Je vais vous montrer un autre endroit. Ça va être assez court, hein, vraiment, ça va être assez court. Tac. Ensuite, c'est ici. Il va falloir aller à l'étage. Ah oui, le fameux chargement, oui, c'est oui. Même quand on n'est pas en stream, le chargement, il est toujours là. Je peux vous confirmer. C'est une belle horreur. On attend. Hop là. On attend, on attend. On remonte. Le chargement. Va être sympa si ça fait ça à toutes les salles. Voilà. Ensuite, dans ce coffre ici, il y avait une carte que je n'avais pas prise. Et pourtant, je suis passé devant plusieurs fois. Mais voilà, il fallait l'ouvrir avec le pouvoir et je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Inattention. Donc là, on est sur les deux cartes sur trois qu'il me manquait. Concernant la dernière. Eh bien, vous irez chercher par vous-même. Je vais pas tout vous dire. Il faut bien garder un peu de mystère. Néanmoins, c'est pas terminé. Là, c'est le 100%. Mais il y a autre chose. Parce que il y a une fin alternative du jeu. Plusieurs fois dans le stream, j'ai dit « Mais cette clé, elle me sert à quoi ? Cette clé de la salle des vieilles habitudes. » La clé qui était ici, là. Que je n'ai plus d'ailleurs sur moi. Ouvrons la map. Ouvrons la map. Voilà. Si on se trompe pas. Voilà. Vous avez le bar serpent. Juste en dessous, vous avez un débarras. Et juste là, c'était la salle d'entrée du casino. Eh bien, on va y aller. On va y aller. La clé n'est plus là. Je l'ai utilisée, je l'ai cramée. Mais du coup, elle a bien une utilité. Est-ce que c'est par là? Attendez que je m'y retrouve un peu. Voilà, et ensuite je viens ici. Mais elle avait bien une utilité. Et c'est vraiment une fin alternative du jeu. C'est une fois, par contre, c'est une fin alternative, mais c'est une fois seulement qu'on a les 9 invitations et les 52 cartes. Et après, bah, tout simplement, je me suis dit, bon... J'avais un doute, l'idée de la fin alternative me trottait dans la tête depuis un moment, sachant que je m'étais rien spoilé du jeu. Et après, je me suis dit, bon, je vais tout lire. Donc j'ai relu tout le lore de toutes les cases jusqu'au secret. Et c'est vrai que j'avais tiqué sur cette image un peu plus tôt. Et je comprenais pas trop, on voyait des dents, je sais pas, des flammes ou un miroir cassé. Et un personnage qu'on n'a jamais croisé dans le jeu jusque-là. Et ce texte m'a vraiment tiqué. Plus le nom salle des vieilles habitudes. Alors tout simplement, j'ai pris la clé et je me suis baladé jusqu'ici où on voit que la porte, en fait, il y a des dents autour. Il y a des dents autour de la porte. Et ça nous mène dans le mur. Parce qu'en réalité, nous sommes dans le mur. Pour de vrai, en vrai, nous sommes dans le mur. C'est indiqué que nous sommes toujours dans le débarras, enfin là où il y a tous les meubles avec le torchon, avec les draps, avec une porte qui pourrait peut-être mener au bar, mais en fait non, ça mène pas au bar. Ça mène chez lui. Et lui, c'est qui? C'est le diable.
C'est pas fini. Vous allez voir. Vous avez vu là où on est. Ça nous a recommencé la journée sans recommencer la journée. Regardez la carte. Je ne peux aller ni à gauche, ni à droite. Comme quand là où on est apparu, où le miroir était le manoir était enflammé, sauf que là il fallait aller de l'autre côté, donc à droite. Là je ne peux aller qu'en face. Je ne peux même pas interagir avec la pendule, la comptoise, ni avec ça. Je suis obligé de venir ici. Voici tous les convives, les serviteurs, enfin le personnel, qui dansent, qui font la fête. Plutôt alerte, Boone, hein? Vous pensez en faire autant? J'en doute, mon vieux. Quelle joie, quelle joie! Ah, l'Afcadio, quelle fête! Je ne sais plus où donner de la tête. Léonore n'a-t-elle pas l'air heureuse? Quel endroit merveilleux! Vous savez, je me souviens même pas pourquoi je m'en faisais autant pour un petit poisson. Ça fait du bien, c'est agréable d'être ici. Dansez avec moi, Alaf. Eh bon, vieux renard, joignez-vous à nous. Je n'en reviens pas que le marquis avec ma cachée Loft Moulok tout ce temps. Quelle nuit, c'est ça la vie, non? Ah, l'Afcadio, il m'a fallu une éternité pour apprendre ça. Gré et moi vont travailler dur. Mais encore merci de m'avoir aidé à le sauver. Je lui dirai peut-être un jour. Ah, peu importe. Regardez-moi bouger. Regardez-moi agiter la jambe. Vous y prenez mal. Ce n'est même pas la bonne danse. On ne veut pas faire les voix à chaque fois. Hein. L'Afcadio, n'est-ce pas parfait? Que pourrions-nous nous vouloir de plus? Donc là, c'est Lucas. Merci infiniment. Donc là, c'est Léonore. Nous n'avons pas à penser à demain. Il n'y a que l'instant présent. Rien que cet instant pour toujours. Il n'y a que cet instant, c'est tout ce qu'il nous faut. Là, il y en a deux qui bougent en rythme. Là, ça fait du bien de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de la musique et de se défouler. C'est la chanteuse. Vous avez vu comment il bouge? Il faut faire attention à son cœur, mais il faut aussi faire vite. Il faut aussi vivre, pardon. Cet endroit est le paradis sur Terre, là. Laissez-vous aller et respirer. Avez-vous déjà utilisé cet ascenseur sinistre? Je crois que nous nous faisions tous du mouron pour Lucas, mais regardez comme les choses ont bien tourné. Je sais pas pourquoi il m'a dit les trucs juste avant pour l'ascenseur, ça m'a intrigué. Mais... Je sais pas. Je ne dirai pas éternellement, mais je pense bon, que le travail que j'ai accompli dans ce manoir sera ma plus grande œuvre. Et enfin, Elaf, mon vieux, lâchez-vous un peu, ne vous moquez pas, mais ça fait du bien de se laisser aller. Ça prouve qu'on n'est jamais sûr de rien. Je suis si heureuse d'être là, l'Afcadio. J'ai l'impression que c'est un peu grâce à vous. Y a-t-il un trophée? Je veux gagner un trophée. Je ne peux aller nulle part, sauf... casser la vitre. C'était Jake pour Riva Sound Studio. A bientôt, cordialement, bisous. Smile.